gel? Oui, j'en ai mis. Frotte bien, hein. Voilà, entre les doigts et au-dessus des mains aussi. Oh, oui. Oh. Et t'as mis un masque? Bah oui, tu vois bien que j'en ai un là. Oui, tu l'as, ouais, mais c'est au-dessus du nez. Oui, oh. Toute la journée, on te dit quoi faire. Tu connais par cœur tous les gestes barrières. On parle moins souvent des autres et pourtant, voilà des actions concrètes pour vivre plus longtemps. Ne tousse pas sur Némé, elle est si fragile. Évite d'être à Walpé pour faire tes courses inutiles. Enlève les doigts de ton nez, souffle les hémophiles. Ne lèche pas les poignées, même celles des automobiles. Pour sauver ta vie, il y en a plein dehors. Des petites affiches collées dans le décor. T'en vois partout, mais au cas où quand même. Voilà comment éviter les problèmes. N'embrasse pas Mémé, même si c'est ton style. Retiens-toi de frotter aux lampadaires de la ville. Fais pas aux inconnus des câlins gratuits. Ne mets pas au menu du pangolin au curry. Fais attention, t'es trop près de moi là. Ah bon? Oui, c'est un mètre, mais par sécurité, recule un peu plus. Là? Un peu plus. Là? Encore. Là. Allez, un dernier pas en arrière. Voilà, là t'es bien, parfait. Ça ferait un bide de donner ainsi ces conseils bizarres, d'être un peu trop précis. Mais on n'est jamais trop prudent comme on dit. Alors voilà, encore des idées génies. Laisse-la tranquille, mémé. Juste un petit coup de fil ou 30 dans la journée. Au cas où elle serait sénile, ne parle pas trop près aux gens dans la rue, les distances à garder. C'est aussi parce que tu pues. Dis chérie, qu'est-ce que j'ai encore le droit de faire alors? Eh bah tu peux aller à la piscine. Ah ouais non, y'a des gens, évite. Ok, bah alors quoi? Bah tu peux aller voir... Ah bah ouais non, personne en fait. Oh non mais c'est chiant là hein. Ah bah si, je sais. Tu peux écouter tous les jours le parodisque de Charlie et Stylo sur France Bleu.